Bonsoir à tous, mais quel plaisir de vous retrouver ce soir pour cette shopping party Cdiscount sur le thème Ingénio de Tefal. Alors ce que je voulais vous dire déjà en préambule, c'est que nous avons Ingrid dans les coulisses. Bonjour Ingrid. Corinne. Qui va nous accompagner tout au long de ce live et qui va répondre d'ailleurs à vos questions dans le chat ou qui nous les posera en direct. Je voulais aussi vous dire que nous avons réalisé des tests qui sont avérés négatifs, d'où l'absence de masque. Alors, j'attends chez Fred. Ben me voilà. Ah oui, ça a commencé, bien sûr. Bonsoir Fred. Ça va Corinne, bonsoir. Écoute, je suis absolument ravie de partager ce moment avec toi. Tu es prête pour démontrer le savoir-faire français à travers Ingénio ? Oh que oui, et croyez-moi, ça va être extrêmement simple. Ça tient en trois mots, feu, four, frigo. Alors Fred, si tu permets, avant de commencer, je voulais vous dire que vous avez encore 15 minutes, pas une de plus, pour participer au grand jeu live sur le ticket live en page de Cdiscount. Donc c'est un temps de jeu extrêmement court, donc n'hésitez pas, que nous vous annoncerons à la fin de ce live le nom des gagnants des deux super lots incroyables mis en jeu. Et surtout, restez avec nous, parce que ce soir, ce n'est pas une, mais deux offres exclusives Cdiscount, incroyables, pour lesquelles vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors, profitez-en, videz vos placards de cuisine, parce que vous ne verrez plus vos cuisines comme avant. Alors, je me retourne vers Fred. Dis-moi, Fred, c'est quoi le menu de ce soir ? Ah ben alors, ce soir, un menu spécial, un menu d'exception, rien que pour vous. Menu œuf au plat. Non mais, pardon ? Œuf au plat. T'es en train de nous dire que nous avons toutes ces personnes-là ce soir et que tu as décidé de nous faire seulement un œuf sur le plat. Corinne, tu me connais. Mon deuxième prénom, c'est Abondance. Alors, j'en ai fait plein des plats, t'inquiète. Non, c'est juste que, à travers l'exemple de l'œuf au plat, je vais pouvoir vous parler des deux premiers avantages de la gamme Ingénio. Alors, l'œuf au plat... On sait que pour le réussir, il faut déjà avoir une bonne température dans sa poêle, on est bien d'accord. C'est la même chose pour un steak ou pour faire saisir d'autres ingrédients. Et puis, il faut de la matière grasse, sinon ça accroche. Alors déjà, premier problème résolu avec Ingénio. Jetez un petit coup d'œil ici dans ces deux poêles. Vous voyez ici, il y a une pastille rouge et ici également, mais elle n'a pas la même couleur. Cette pastille rouge, Corinne, c'est le thermosignal. Ah. C'est un indicateur de démarrage de cuisson. Quand ton thermosignal est de couleur uniforme comme ceci... Oui, on voit bien la différence, effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta poêle a atteint la température de 180 degrés, qui est la bonne température pour commencer une cuisson. On est d'accord? Bien. Commencer une cuisson à la bonne température, c'est très important. Pourquoi? Je viens de vous l'expliquer avec l'exemple de l'œuf. Alors, si tu ne commences pas à la bonne température, bah, en fait, ton blanc, il ne va pas figer. Ouais. Ton blanc d'œuf, il va aller partout. Finalement, tu vas monter ta température. Enfin, tu vas avoir un œuf au plat, mais dur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et pour la viande, c'est pire. Si la température n'est pas suffisante, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est l'eau d'abord qui va sortir de ta viande, ok? Et au lieu d'avoir une viande goûteuse et bien saisie, bah, tu vas avoir une viande qui va un peu bouillir bouillie, c'est ça en fait. Ouais, hein, voilà. C'est quand même pas exceptionnel. Mmh. Ça, avec le thermosignal d'Ingénio, le problème est résolu. Mmh. Et le deuxième problème qui est résolu grâce à Ingénio, c'est bien sûr le côté de « Ah, je mets quelque chose dans la poêle et tout attache ». Et bien là, ça n'attache pas, puisqu'il y a le fameux revêtement anti-adhésif Tefal qui vous permet de cuisiner des tas de choses sans matière grasse, sans que ça attache. Oh ben alors ça, écoute, je trouve ça excellent. Effectivement, qui n'a pas raté une fois son œuf, hein, voilà. Alors, j'ai bien compris, cette notion très importante. Moi, j'ai aussi compris que Ingénio, c'est ingénieux. Et on a parlé de feu, four, frigo. Oui, alors bravo, Ingénio, c'est ingénieux, c'est super, c'est bien, hein, bel effort quoi. Si je peux rendre service. Bien sûr, bah, la prochaine fois on s'en passera, c'est pas grave. Mais enfin, je te pardonne parce que c'est vrai, Ingénio, c'est ingénieux. Tu parles de polyvalence et tu parles de feu, four, frigo. Vous vous demandez certainement où on veut en venir. Eh bien, je vais vous l'expliquer. Par exemple, je vais commencer une cuisson dans ma poêle, ok ?
Je commence donc cette cuisson. Mais après, je peux très bien prendre ma poêle avec la poignée, d'accord ? Et hop, terminer la cuisson au four, puisque je peux retirer la poignée en toute sécurité. Une fois que la poignée est terminée, avant d'ailleurs d'arriver à l'étape frigo, il peut y avoir l'étape table. Parce que quand mon plat est prêt, il est cuit, je peux tout à fait prendre ma poêle ou ma casserole et déposer ça sur un dessous de plat, hein, à table, et on peut tout à fait, c'est sobre, c'est noir. C'est élégant. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et frigo, pourquoi ? Parce que si il vous reste des choses dans votre poêle ou votre casserole, eh bien vous avez des couvercles hermétiques qui vous permettent de fermer correctement donc poêle et casserole et de conserver le tout au réfrigérateur. Vous avez compris ? Feu, four, frigo. Mais c'est pas tout. Là où ça devient vraiment génialissime, c'est que le lendemain, quand tu veux réchauffer ton plat de la veille, d'accord ? Eh ben, t'as pas besoin de le transvaser dans quoi que ce soit. C'est vrai. Puisqu'il est déjà dans le bon contenant. Il est déjà dans une casserole ou une poêle qui marche sur le feu ou au four. Donc, je veux dire, c'est tranquille, hein, on est d'accord. Exactement. Alors, je sais, les longs discours, c'est bien, mais les démos, c'est encore mieux. Moi, je ne demande qu'à être convaincu. Je sais. Alors, regardez, ici, je vais commencer par faire saisir un magret dans ma poêle. Alors, bien sûr, celle où le thermosignal m'indique que la température est bonne. On est d'accord ? Alors, le magret, quand on le prépare, vous le savez, on cisaille comme ça un petit peu la peau. On ne va pas jusque dans la chair, hein, pas dans le muscle, ok ? Alors ça permet d'avoir une peau plus croustillante et puis la couche de graisse va fondre plus facilement. Et quand on commence dans la poêle, c'est toujours côté peau. Donc, c'est parti. Et voilà. On entend ce petit crépitement absolument délicieux et voilà. Qui met en appétit. Mais là, attention, problème. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Ma cuisine est toute propre. Mais je vais tout l'éclabousser. C'est un risque. Avec le gras. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, on a pensé à tout. Donc, je prends le couvercle ici, d'accord ? Je le mets par-dessus. OK ? Et ce couvercle anti-éclaboussure, on va dire, il est bien pensé. Pourquoi est-ce qu'il est bien pensé ? Parce qu'il a des trous d'aération qui sont suffisamment importants, et on le voit très bien, ouais. Pour faire sortir la vapeur d'eau, d'accord, qu'il y a pendant la cuisson. Éviter la viande bouillie, quoi. C'est ça, en fait, parce c'est que ça. Finalement, qu'est-ce qui se passe ? Si vous mettez un couvercle dessus, tout plat, ouais. Il y a de la vapeur d'eau qui se fait, d'accord ? Quand la vapeur d'eau, elle touche le couvercle, elle va se condenser, elle va se transformer en gouttelettes. Les gouttelettes, elles vont retomber dans ton plat, et qu'est-ce que ça va faire ? Ben, comme tu dis, ça va te faire une viande bouillie. Et ça, dommage. C'est pas vraiment ce qu'on veut. On est bien d'accord. D'accord. Ok ? Et alors, il y a d'autres choses qui sont encore plus intéressantes sur ce couvercle. C'est que, regardez, hop, je peux tout à fait hop, le caler comme ça sur le côté de ma poêle si je veux. Tu vois, comme ça, je n'ai pas à le reposer ou quoi, machin. Tranquille, c'est fait pour. Et surveiller ta cuisson. Ouais, on a pensé à tout. Ici, la poignée, c'est une poignée papillon, ok ? Ça veut dire que là, elle est en position de fonctionnement, ouais. Naturellement. Tu vois, tu as une bonne prise en main et ouais. Tout, c'est tranquille. Et c'est pas chaud. Non, c'est pas chaud du tout. Ah. Et quand tu la ranges, ta poignée, hop, et ben les deux poignées se rabattent, tu vois, de façon individuelle. Et ça prend moins de place dans tes placards et tes tiroirs. Pratique. Hein. C'est malin quand même. Hein. Oui. Bon, alors moi, je termine tranquillement la question de mon magret. Si tu veux dire des choses à nos amis, c'est le moment. Hein. Bien évidemment, okay. Oui, j'ai des choses à vous raconter. Je vous ai parlé de deux offres exclusives, incroyables ce soir. Alors, il est temps pour moi de vous les dévoiler. Alors, la première offre, accrochez-vous. Attends, accrochez-vous pour l'entendre en désif. Hein, donc, accrochez-vous pour bien. Oui. Le premier set que vous allez découvrir, c'est un set 10 pièces. Tout feu, dont induction. Ce set-là, en fait, il est composé de deux poêles, 22-26 cm, une sauteuse, deux casseroles, 16-20 cm, petit, grand contenant. Vous avez également une poêle wok, on y reviendra tout à l'heure. Bien évidemment, une poignée amovible pour cette gamme et trois couvercles de conservation. Alors, accrochez-vous bien. Le prix ce soir, attention, les quantités sont limitées. Vous allez pouvoir vous faire plaisir avec ce set de 10 pièces fabriqué en France, au prix incroyable de 89,99 € au lieu de 153,99 €. Fred, c'est 40 € d'économie. Oh, c'est une belle économie, hein ? À minima. Alors, attendez, c'est pas tout. Ah bon ? Accroche-toi.
Ouais. Le deuxième set, c'est un set de 20 pièces, toujours tout feu, dont induction. Et là, vous allez pouvoir vous régaler pour toute la famille et faire plaisir à tout le monde. Vous avez 4 poêles de 22 à 28 cm. Ouais. Vous avez une sauteuse de 24 cm. Vous avez le couvercle anti-projection. Ouais. Vous avez aussi un couvercle égouttoir. Mmh. 3 casseroles, 16, 18, 20 cm. 3 couvercles de conservation et 2 poignées amovibles. Et là, attention, ce n'est pas tout. Nous rajoutons 5 spatules qui vont vous permettre de vous régaler, d'utiliser vos ustensiles en toute simplicité et sécurité, au prix incroyable, ces 20 pièces, de 129,99 € au lieu de 269,99 €. C'est 140 € d'économie. 140 € d'économie ? Exactement, Fred. C'est Alors attention, hein. Parce que les volumes sont limités. Vous avez vidé vos placards de cuisine. Je pense qu'il est grand temps, effectivement, de commander le set qui vous convient le mieux et vous régaler avec ces sets fabriqués en France avec des économies de fou. Alors, c'est clair, hein ? Alors achetez et puis de retour au magret. Eh bien, alors du coup... Alors, regarde. Montre-moi un peu comment tu as avancé là dans ta alors, cuisine. Alors ici, mon magret, hop, je te montre, tu vois. Ah oui, ça, joli. Ça va être bien croustillant comme il faut et tout. Et puis alors, dis-donc, là, on voit que tout va bien. Bah, hein, oui, dans la poêle, sûr, c'est parfait. Hein. Donc, hop, je prends la poignée. Ouais. Je la clipse en un seul mouvement, d'accord. J'ai retourné mon magret, c'est mieux quand on cuit au four. Ah, donc, c'est parti pour d'accord. Au-dessus, ok. Ça, et je glisse ma poêle directement dans le four, hop, et j'enlève ma poignée aussi facilement que je l'ai placée sur ma poêle, ok. Facile. Alors, cette poignée, elle est géniale, pourquoi? Parce qu'elle a 3 points de sécurité. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez accrocher un wok, une casserole ou une poêle, vous êtes sûr qu'elle ne s'échappera pas de votre poignée. Donc, 3 points de sécurité. Une poignée qui peut supporter jusqu'à 10 kilos. Donc, tu vois, on est tranquille, c'est vraiment. C'est plus qu'il n'en faut. Et cette poignée, on est tellement sûr qu'elle est de bonne qualité qu'on vous la garantit 10 ans. Pas belle, la vie ? Ah, ça, effectivement, c'est le savoir-faire français. Exactement. Alors, tout à l'heure, on vous parlait de polyvalence, polyvalence, polyvalence. Eh bien, je continue à vous démontrer la polyvalence de la gamme Ingénio. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait dans ce sautoir, sauteuse ? Oui, bon. Alors, mais c'est ce que je regardais tout à l'heure, voilà. Ça m'a c'est un gratin dauphinois. Sacrément bon, appétissant. Là, on va faire un petit cours. Voilà, c'est très technique, mais bon, c'est bien d'apprendre des choses aussi. Hein. C'est vrai. On aime bien ça, donc vous transmettre des informations et des connaissances. Alors, nous, en cuisine, quand c'est des bords droits comme ça, ça s'appelle un sautoir. Ah oui. Oui. Et quand les bords sont plutôt ils forment un angle comme ça, ouais. Tu vois, et ben ça, c'est une sauteuse. Aujourd'hui, franchement, on dit sautoir sauteuse pour un peu les deux. Oui. Mais voilà, si vous voulez briller en société et avoir l'air très pro, ça, c'est un sautoir. C'est facile à placer. Et l'autre, c'est une sauteuse. Exactement. Alors, ce gratin dauphinois, je l'ai réalisé donc dans mon sautoir sauteuse. Et c'est maintenant la minute de Chef Fred, les conseils de Chef Fred pour bien réaliser votre gratin dauphinois. Oui. Tu es prête ? Ah bah. Vous aussi ? Parfait. Premier conseil, pour avoir une cuisson uniforme de, vos gratins, de votre gratin dauphinois, n'oubliez pas de trancher vos pommes de terre de la même épaisseur. Alors, ça veut dire que si on a une tranche de pommes de terre qui est trop épaisse par rapport aux autres, bah, évidemment, elle sera sous-cuite. Et la pomme de terre un peu crue, c'est pas bon, ça n'a même pas bon goût, hein, on est d'accord. Si elle est trop fine par rapport à la moyenne de l'épaisseur de tes tranches, ben, ça va faire une espèce de purée. Ce n'est pas terrible non plus. Mais alors du coup, quand tu parles justement d'épaisseur, ton conseil, c'est quelle épaisseur alors, franchement, c'est entre 2 et 3 mm. D'accord. Mais entre 2 et 3. Ok. Voilà. Pas moins de 2, pas plus de 3. Là, on est sûr d'avoir une bonne cuisson uniforme qui ne va pas durer parfait. Deux heures. Parfait. Ok. Ensuite, quand on fait un gratin dauphinois, souvent, on fait des tranches. Et puis après, vas-y que je te prends les tranches de pommes de terre. Vas-y que je te mets dans le plat, vas-y que je te pousse, tu vois. Et du coup, elle se chevauche n'importe comment. Ouais. On met sa préparation de crème, etc. par-dessus, on enfourne. Bon, ok, ça va cuire, ça va vous faire un gratin dauphinois. Mais quand vous allez le découper, vous allez voir, il va y avoir des tranches de pommes de terre qui vont se débiner un peu à droite à gauche. C'est pas très, très classe pour le service. Et puis, votre joli, gratin, ouais. Il est moins joli, t'as raison. Alors, petite technique. Quand
vous empilez, si je puis dire, vos tranches de pommes de terre, voilà comment il faut faire. Alors déjà, il faut faire une spirale, d'accord ? Mm-hmm. Et puis ensuite, on en fait une autre par-dessus, une autre par-dessus, etc. Et les pommes de terre doivent se chevaucher légèrement. Imaginez que ça, c'est la première tranche de pommes de terre, ok ? Quand vous mettez la suivante, il faut qu'elle recouvre le dernier tiers de la première. D'accord. Et ainsi de suite. Donc comme une couronne, en fait. Oui, ma reine, comme une couronne. Bravo. Comme ça, elles vont bien s'imbriquer et vous allez voir après la cuisson, quand vous allez découper, déjà ça sera très joli, voilà, la tranche sera vraiment jolie. Et puis, il n'y a pas de tranches de pommes de terre qui vont vouloir se faire la malle en fait, sur la table. Et puis après, on a une cuisson uniforme, certainement. On a aussi une cuisson uniforme, ouais, oui, d'accord. C'est sûr. Ça peut aider pour ça très aussi, bien. C'est vrai. Et maintenant, un dernier conseil, le conseil pour les gourmets, le conseil pour les gourmands, le conseil pour Corinne, donc, voilà. Donc, j'ai tout dit. Alors, si vous voulez un gratin dauphinois hyper fondant, voilà ce que je vous conseille de faire. Vous allez prendre votre sautoir ou votre sauteuse, ok. Vous allez organiser vos pommes de terre à l'intérieur comme je vous l'ai expliqué. Et vous allez recouvrir ça de lait. Ensuite, vous protégez le tout. Alors bien sûr, pour protéger le tout, inutile d'aller chercher votre film étirable. Vous prenez bien sûr les couvercles, ok, qui sont hermétiques. Et vous, hop, mettez ça par-dessus. Très bien. Donc j'ai mes pommes de terre avec... qui sont recouvertes de lait. D'accord. Okay. Ça, je laisse toute une nuit dans le réfrigérateur. Le lendemain, j'enlève le couvercle et oh, surprise ! Mais il n'y a presque plus de lait à l'intérieur. Mais qu'est-il devenu ? Eh bien, il a été absorbé par les tranches de pommes de terre. Et ça, ça va vous donner quelque chose d'encore plus fondant. Moelleux. Exactement. Hein, en fait, alors, c'est ça. La suite, ce n'est pas bien compliqué. Ouais. C'est, tu prends ton plat à gratin, ton sautoir, ta sauteuse, où il y avait encore un peu de lait. Le lait, bah, essayez de le récupérer. Vous pouvez faire une béchamel, on peut faire des tas de trucs. Hein. Ouais. Essayez de ne pas jeter les aliments, quoi. Et puis, par-dessus, vous recouvrez jusque tout en haut, tu vois. Hein, vraiment à fleur, en fait. Du mélange, donc, crème liquide, sel, poivre, noix muscade. D'accord. Okay. Alors, ce qui est bien aussi, c'est... avant de mettre les tranches de pommes de terre, c'est bien de passer un petit coup d'ail dedans. Ah, bien. Oui, pourquoi ? Parce que l'ail est un exhausteur de goût pour les pommes de terre, en fait. Ça va révéler. Tu vas pas sentir le goût d'ail, mais tes pommes de terre, elles auront plus de goût. D'accord. Voilà, avec ces conseils, vous allez faire de très bons et très beaux gratins dauphinois. Oui, mais je voudrais quand même un autre conseil, parce que oui. Tu nous as dit, on les met dans le lait, est-ce que je comprends tout à fait ? Oui. Ton conseil ? Quel type de lait ? Demi-écrémé, lait entier, un autre lait ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors moi, très franchement, je vous conseille le lait entier. Pourquoi le lait entier ? Déjà parce qu'il y a assez de matière grasse dedans. Hein. C'est le lait entier dans lequel il y a le plus de matière grasse. Et en absorbant, elles vont emporter le liquide, mais elles vont absorber la matière grasse du lait aussi. C'est ça qui va les rendre aussi fondantes, d'accord ? Moi, je préfère utiliser les vrais produits. Par exemple, le gratin dauphinois, on est d'accord qu'on le fait cuire dans la crème liquide. Oui. La crème liquide, c'est 30% de matière grasse. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai fait le gratin dauphinois, mais dedans, j'ai mis la crème à 15%, c'est pas le même goût. » Ben non, c'est pas le même goût. C'est pas la même chose. Donc, plutôt que de manger du gratin dauphinois deux fois dans la semaine, faites-en une fois, mais faites-en un bon, qui va vous satisfaire. Ça, c'est mon opinion, en tout et cas. Et après, les goûts et les couleurs, nous oui, sommes exactement. D'accord. Oui, exactement. Bon, c'est quoi ? Donc, merci pour ces... ces conseils culinaires, moi je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous allez pouvoir d'ailleurs profiter des trucs et astuces de Fred, de ses conseils culinaires. Vous avez un lien dans le chat qui va vous permettre de prendre connaissance de tous ces bons conseils techniques, culinaires, et donc vous faire plaisir et avancer dans ce sens. Exactement. Merci Fred. Mais de rien. Un vrai bonheur. Alors, moi, je voudrais continuer. Là, on a prévu d'autres choses. Je vais peut-être me retourner vers Ingrid à ce stade. Ingrid, tiens, à ce stade, là, on a quand même avancé un petit peu. As-tu des questions ? Alors, Corinne, effectivement, je n'en ai pas qu'une, j'en ai deux. Ah. Donc, la première, c'était de savoir jusqu'à quelle température ça allait au four. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, on a dit feu, four, frigo. Vous pouvez mettre tous vos ustensiles, alors sauf les poignées, bien sûr, au four jusqu'à 260 degrés. Alors 260 degrés, quand on a un four traditionnel, on va dire que c'est en moyenne thermostat 9. Voilà. Et l'autre question, du coup, Ingrid ? Alors la seconde, c'était pour savoir si tout passait au lave-vaisselle. Ah, excellente question. Ah, oui, là aussi, tout passe au lave-vaisselle, sauf...
la poignée, bien entendu. Alors, pourquoi pas la poignée? Parce que la poignée, pour garantir sa durabilité et son système de fermeture-ouverture, bah, vaut mieux la laver à la main sans l'immerger. Ça vous permet effectivement d'avoir une poignée qui dure. Pour le reste, et notamment pour le lave-vaisselle, tout passe absolument au lave-vaisselle. L'avantage, effectivement, de ne pas avoir non plus de poignée, eh bien, c'est que vous allez aussi gagner de la place dans la vaisselle. Bien sûr. Voilà. Bon, et puis avec Corinne, en même temps. Vu qu'il y a un revêtement adhésif sûr et anti-adhésif, vous m'aurez compris, dans le wok, les poêles et les casseroles, même s'il n'y a pas de lave-vaisselle, franchement, une éponge côté doux, hein, pas qui gratte. Oui, hein, le côté jaune hein, de l'éponge. Voilà, hein, ouais. Un petit peu de détergent, hop, et puis ça part comme un rien. C'est terminé. Hein. Exactement. Alors, tant que nous en sommes aux aspects pratiques, tiens, moi, je vais vous parler aussi compacité, rangement dans les placards. Hein. Alors, je vais vous montrer, par exemple, sur le set de 10 pièces, que ça pourrait donner, ce fameux rangement dans les placards. Donc, imaginez, vous avez votre poêle, vous allez y mettre votre poêle wok, votre sauteuse, votre poêle, vos deux casseroles, vos couvercles, et voilà, finalement, votre set de 10 pièces, le simple encombrement qu'il prend dans votre placard. Autant dire que dans le rangement, et maintenant que vous avez fait de la place d'ailleurs dans tous vos placards, vous voyez qu'il y a largement de quoi rentrer ces sets à l'intérieur. Ça, c'est vrai que de toute façon, c'est l'horreur. Moi, j'ai une micro-cuisine avec des micro-placards. Ranger les poêles et les casseroles avec les poignées, c'est juste un casse-tête que je n'ai encore pas réussi à résoudre. Hein. Alors, tu sais, c'est le truc, à un moment, tu crois que tu as trouvé la bonne organisation. Puis là, il y a de la satisfaction qui commence à couler en toi. Et tout d'un coup, tu veux fermer les portes de ton placard. Et non, et ça non. Ne ferme pas à cause des poignées. Et ben voilà. Et ben ça, c'est un problème qui est résolu grâce à la gamme Ingenio, parce que la gamme Ingenio, c'est 2 fois moins de place qu'une batterie classique dans vos placards. Mais bien entendu, un gain de 50% de place dans vos placards grâce à la gamme Ingenio et sa poignée amovible. Ultra compacte. Très bien. Alors. Alors quoi, tu veux voir le magret, bah, c'est ça bon, ok, on a parlé rangement et tout. Je crois que tout le monde a compris. D'accord, j'ai compris. Moi, j'aimerais voir quand même les résultats de cuisson. Alors, on va aller voir le comment magret. On avance. Alors, regarde, aussi facilement, hop, que je l'ai mis dans le four, je le sors. D'accord. Eh, pas besoin de camp de cuisine, pas besoin de manique à la poignée. Bien, hein, belle coloration. Ouais, c'est beau. Voilà, je vais mettre ça là et puis on va ouvrir pour voir un peu la tête que ça a dedans. Oui, voilà, pour voir le résultat. Et oui, hein. Et voilà. Alors, montre-nous ça. Et voilà. Très belle couleur, bravo. Voilà, oh là on là, est sur ça un donne bel appoint. Envie. Alors ah, évidemment, ouais. Tu le laisses un peu moins longtemps, ah. Tu peux l'avoir plus rosé. Hein. C'est juste et après, c'est une histoire de goût, hein, en fait. De hein, goût et ça. De temps de cuisson, ah. Tout simplement. Très bien. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, c'est parfait, hein. Franchement, oui. Bravo. Hein. Alors, tu sais quoi? Je crois qu'on ne va pas s'arrêter là. Ah, c'est une bonne voilà. Idée. J'ai vu qu'il y avait un wok. Oui, monsieur. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir donner une ou deux informations vraiment importantes quand on cuisine au wok. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire des nouilles sautées un peu asiatiques là, avec des légumes. Bonne idée. Donc, moi, pendant ce que je gère ça, ouais. Et toi, tu les gères eux. Très bien. Okay. Bon, alors, écoutez, revenons tous ensemble sur ces fameuses offres absolument incroyables, exclusives ce soir, avec ces 2 sets de folie, tout feu, dont induction fabriquée en France. Alors, je vais vous détailler un peu plus le contenu de ces sets. Tout d'abord, le set de 10 pièces. Donc, vous avez 2 casseroles. Vous avez une casserole de 16, une casserole de 20 cm. Vous voyez très bien la différence. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir vous faire plaisir en fonction du volume d'eau pour les pâtes, par exemple, dont vous auriez besoin. Vous allez avoir 2 poêles, 22, 26 cm. Ces 2 poêles, finalement, vous voyez, en fonction, si vous avez effectivement un œuf sur le plat, 2 œufs sur le plat ou 4 steaks d'un côté, eh bien, elles vont être très utiles et vous allez pouvoir les sélectionner. Et regardez, elles s'empilent en un rien de temps. Une sauteuse ou un sautoir, hein, oh, ça va. Comme on le souhaite, voilà, qui vous permet effectivement de cuisiner plutôt des plats mijotés, des grands contenants et d'avoir plutôt des choses en sauce, par exemple. Et puis, la poêle wok, vous voyez, qui a cette forme si particulière. Et je pense que Fred reviendra un peu plus en détail. Ce set est également composé des 3 couvercles de conservation qui vont vous permettre effectivement de passer du feu
au four, jusqu'au frigo, et bien sûr, la poignée amovible. Alors, je voudrais faire une petite aparté aussi technique, moi aussi, mon petit conseil technique à moi, sur la poignée Ingénio. Alors, vous dire qu'effectivement, cette poignée, on a vu qu'elle ne passait pas au lave-vaisselle, parce que, d'abord parce qu'elle va être assez peu salie, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, lorsque vous faites cuire sur le feu, votre poignée, on vous conseille de la retirer systématiquement de votre ustensile qui est en train de cuire sur le feu. Donc, vous limitez aussi les projections, donc pas besoin de lui faire subir un nettoyage intensif. Et puis, la deuxième vertu de lui retirer la poignée de l'ustensile, c'est qu'il n'y a pas de risque de brûlure puisque vous ne risquez pas d'accrocher votre ustensile. Voilà, c'était ma minute à moi, ma minute technique. Alors, avant que tu ne fasses des commentaires, je vais continuer directement sur le set de 20 pièces. Alors, ce set absolument incroyable est composé de 4 poils, 20, 22, 26, 28 cm. 28 cm, pour vous montrer, c'est vraiment ce qui va permettre de régaler toute la famille. Vous avez, en plus de ces 4 poils, une sauteuse 24 cm que vous pouvez aussi équiper, puisque c'est inclus dans le set, d'un couvercle anti-projection tel que nous l'a montré Fred. Mais pas seulement, vous avez aussi un couvercle égouttoir et on aura certainement l'occasion de le découvrir tout à l'heure. 3 couvercles de conservation, 3 casseroles 16, 18, 20 cm, donc là le champ des possibles est augmenté. Et bien sûr, 2 poignées, puisque votre composition est beaucoup plus importante. Et je vous rappelle ces fameuses 5 spatules qui complètent parfaitement votre set. Alors, avant de rejoindre Fred, je voudrais vous redonner les prix incroyables et exclusifs et limités dans le temps au niveau de l'offre de ces 2 sets. Le set de 10 pièces tout feu, dont induction, fabriqué en France de marque Tefal au prix incroyable de 89,99 € au lieu de 153,99 €. Autant dire que c'est plus de 40 € d'économie. Et puis, pour le set de 20 pièces, c'est juste absolument hallucinant puisque c'est 129,99 € au lieu de 269,99 €, c'est 140 € d'économie. Je vous engage vraiment à en profiter. Les volumes sont extrêmement limités et ne passez pas à côté vraiment du bonheur en cuisine. D'ailleurs, puisqu'on parle du bonheur en cuisine, je vais retrouver Fred. Alors, c'est l'approche du final des nouilles asiatiques qui l'attire. C'est tout, je voulais. Alors, dis-moi. Alors, regarde, ici j'ai fait cuire mes pâtes, donc un nouilles, ok. Et maintenant, je vais les égoutter. Oui, parce que j'ai parlé du couvercle égouttoir tout à l'heure. Exactement, je vais m'en servir. Alors regarde, je clipse la poignée, voilà, je vais éteindre mon feu, j'en ai plus besoin, on est bien d'accord. Je mets par-dessus, hop, mon couvercle égouttoir, ok. Et je vais par-dessus, hop, ici, ce contenant, et tout simplement, j'égoutte mes pâtes. Et ça, c'est quand même extrêmement pratique, parce que finalement, on cherche souvent la passoire, vas-y, alors on sort un deuxième ustensile qui prend de la place dans le lave-vaisselle, etc. La passoire à laver, c'est pas terrible. On est d'accord. Donc, ça, c'est prêt. Et ici, les 2 choses que je voulais vous dire quand vous faites une cuisson au wok, ok. La première, c'est qu'il faut toujours que ça soit à très haute température. Il faut saisir les ingrédients, d'accord. C'est des cuissons courtes, mais à très haute température. Ça fait que l'extérieur, si tu veux, est cuit, mais l'intérieur... Il n'est pas cru, mais il n'est pas complètement cuit quand même. Il est croquant. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'au départ, il faut absolument qu'on mette notre feu vraiment à fond. C'est ça que tu me dis. Exactement. D'accord. Gaz, induction, peu importe, c'est à fond. OK. Et alors, en plus de vous garder cette texture que moi, je trouve agréable, l'extérieur fondant et l'intérieur croquant, ça va vous garder beaucoup de nutriments également. D'accord. Tu vois ? Super. Une fois que ça c'est fait, on prend ces nouilles asiatiques. Hop. Je les mets là-dedans. Vous n'êtes pas avec nous sur le plateau, mais je vous assure, ça sent bon. Alors, soit hop, tu vois le petit coup de main comme ça et on voit alors, que ça se mélange. Entre nous, là, ouais, le fameux... Tu vois, on projette en fait contre la paroi, comme c'est une paroi haute. Hop, on rattrape la poêle
et ça se mélange. Et du coup, finalement, on n'agresse pas les ingrédients. Bah non, hein, non, c'est ça, en fait. Alors après, si on n'y arrive pas, hein, oui. C'est comme les crêpes, quand on n'arrive pas à les faire sauter ou qu'elles restent collées au plafond, il vaut mieux les décoller gentiment. Ouais, sinon, il y a, hein, voilà, y a d'autres solutions. C'est aussi solutions. Pour ça qu'on a mis des spatules. Voilà, exactement. Alors, ça, on a à peu près bon, donc je vais le laisser là. Et maintenant, je sais, je n'arrête pas de vous parler de polyvalence, mais c'est tellement exceptionnel dans la gamme Ingénio que c'est à souligner. Regardez, ici, là, je vais vous enlever ça, ça vous gêne plus qu'autre chose. Ici, une tatin. Cette tatin, je l'ai réalisée dans quoi, d'après toi? Eh bien, dans cette poêle. Je ne sais pas, mais depuis tout à l'heure, je la regarde. Elle te fait de l'œil, hein. Mais j'avoue qu'elle me plaît bien. Mais tu n'y touches pas. Non, tu remarqueras, je n'ai rien fait. Voilà. Alors, les tatins, la vraie tatin, ça se fait où? Eh bien, ça se fait dans une poêle, parfaitement. Ah, bah alors ça. Bah ouais. Tu prends ta poêle, tu la mets sur le feu, on fait son caramel. Une fois que le caramel est fait, hop, on organise les morceaux de pommes, ouais. D'accord? Ensuite, on clipse la poignée, on met au four, on va faire cuire, un peu compoter les pommes. Une fois que les pommes ont un peu cuites, on sort du four, on met sa pâte par-dessus et on remet au four pour cuire la pâte. Et quand on démoule, eh ben on obtient une belle vraie tarte tatin comme celle-là. D'accord. Et donc, du coup, la pâte, donne-nous un conseil. Toi, tu nous conseilles quel type de pâte? Écoutez, franchement, moi, j'ai mis de la pâte feuilletée. Mais la pâte feuilletée, c'est compliqué à faire. Oui, hein. Voilà. Enfin, quand on sait, pas tant que ça, mais c'est long. En tout cas, c'est long. Ça d'accord. Prend du temps. Donc, moi, quand j'en fais en grande quantité, je la congèle, comme vous pouvez le faire à la maison. C'est ouais. Malin, hein, voilà. Mais je préfère, à la limite, quelqu'un qui va me servir une tarte tatin avec une pâte brisée ou sablée, parce que c'est plus simple à faire, c'était plus rapide, mais au moins elle est maison, avec du bon beurre, des bons œufs, de la bonne farine, ouais. Que d'acheter peut-être une pâte toute prête. Moi, tu sais, je suis plus dans le fait maison, quoi. Oui, hein, oui. Donc, voilà. Et en puis gros, on tu voit fais ce que, c'est tu veux, faisable. Mais du moment que c'est fait maison, d'accord. Ce sera bon. Ce sera non, bon. C'est clair. OK, voilà. T'as raison. Mais alors, il n'y a pas que ça qu'on peut faire dans les poêles et les casseroles. Regarde. Mais j'ai vu quelque chose. Oui, là. Je sais. Écoute, que tu as vu le marbré au chocolat. En fait, je suis aussi. Intriguée depuis oui, ouais. Tout à l'heure. Intriguée, ouais. Très intriguée, je dirais même. Ouais. Et bien, ça, c'est un marbré au chocolat. Et ce marbré au chocolat, dans quoi je l'ai cuit? Non. Là-dedans. Dans une casserole. Eh bien, oui. En plus, avec le revêtement adhésif, pas besoin de beurrer, fariner, ça va tout seul. Tu comprends? Donc, les desserts aussi sont réalisables dans des poêles et des casseroles. Bah écoute, franchement, chapeau, parce que tu vois, j'ai appris quelque chose. Mais quand même, nous sommes le 8 juillet. Et je sais, oui. Tu n'aurais pas une recette avec des fruits de saison, par exemple? Ah oui, eh bien oui, oui. Ça, je me doutais bien que tu allais me demander ça. On connaît, oui, si je peux te rendre service. Elle est très fruit d'été, Corinne. Alors oui, une recette, et vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Et finalement, quand vous la portez à table, il y a quelque chose d'un petit peu sophistiqué et ça plaira à tout le monde. Alors, la recette, la voilà. Vous prenez un fruit de saison, n'importe lequel, abricot, pêche, figue, peu importe. Vous coupez ça en deux, ok? Moi, par exemple, j'ai pris des abricots. Donc, j'ai séparé les deux oreillons, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Des abricots. Et puis, j'ai pris une branche de romarin que j'ai effeuillée, sauf au bout. Et puis, j'ai piqué ma branche de romarin dans mes oreillons d'abricot. Tiens donc, okay, intéressant. Comme une brochette. Oui, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va donner un goût très sympathique à vos abricots. D'ailleurs, je vous invite, si cet été vous faites de la confiture d'abricot, une tarte d'abricot, peu importe ce que vous faites avec de l'abricot, n'hésitez pas à y ajouter un petit peu de romarin. Ah, ah oui, vous allez voir, ça se marie très bien avec, croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles. Donc, je reviens à ma petite recette. Sur mon pic, ma brochette de romarin, quoi, j'ai mis mes deux oreillons d'abricot. Okay, ma poêle est là. Je mets un petit peu de beurre dedans ou de l'huile d'olive. C'est ah, très bon. Eh ouais, tiens donc. Ça marche très bien aussi avec l'huile d'olive. Je vais faire dorer mes légumes. Oui. Ok. Évidemment, grâce au thermosignal, je saurai quand il faut que je dépose mes fruits dans la poêle sans qu'ils dégorgent de toute leur bien eau. Sûr. Mais je vais vraiment les saisir. Une fois qu'ils sont saisis, ça va prendre 2-3 minutes. Hein, ça dépend de ce que vous avez et de la taille, évidemment. Hop, on clipse la poignée. Hop, on met ça au four. Et avant de mettre au four, on met un petit peu de miel dessus. Et on le met au four à 160, hein, c'est bien, oui, pendant donc, 5-10 minutes. Oui, pas trop agressif hein, en termes de chaleur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ouais. Que ce soit complètement cuit. On c'est veut ça. Pas qu'on compote, ouais. Tu vois. Oui, oui. On veut juste sentir que le fruit, il a subi une, voire deux cuissons. D'accord. Mais on veut quand même, on veut pas que ça soit de la compote, ok? Et quand vous le sortez, eh ben, ça donne ça, comme ça. Et ça, je peux te dire que tu sers ça
avec une bonne boule de glace ou un bon sorbet à côté, et ben, t'as un dessert que tout le monde aimera et que tu auras réalisé rapidement. Tiens, d'ailleurs, j'ai dit qu'on pouvait se servir de tous les fruits d'été. Vous pouvez même utiliser du melon. Bah alors ça, écoute, merci pour tes conseils, franchement. Ça me fait plaisir, Corinne. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Alors, tu sais, et franchement, tu nous as régalé. Moi, je voudrais, parce que je pense que nous allons arriver dans pas longtemps au terme de ce live. C'est déjà fini ? Je ne sais pas encore. Ce que je voulais, Ingrid, as-tu des questions qui... dans la conversation ? Alors, aucune question pour le moment. Tout a été très, très clair. Oh, écoutez, merci à tous. Alors, eh bien, nous arrivons au terme du live, mais avant qu'on termine et avant de vous annoncer les noms des deux super gagnants de ce soir, je voudrais quand même vous rappeler ces exclusivités incroyables ce soir. Donc, le set de 10 pièces ingéniaux, tout feu, dont induction, et que vous allez pouvoir acheter au prix seulement de 89,99 € au lieu de 153,99 €, soit plus de 40 € d'économie. Et puis le set de 20 pièces, tout feu dont induction également, fabriqué en France, que vous allez pouvoir acheter pour seulement 129,99 € au lieu de 269,99 €. Je vous le rappelle, les volumes sont extrêmement limités, donc ne passez pas à côté. Et puis, on arrive vraiment au terme de ce live. Les inscriptions du jeu sont closes maintenant. Et donc, Ingrid, est-ce que tu peux nous annoncer en direct ce soir le nom des deux grands gagnants du tirage au sort ? Alors effectivement, j'ai bien le nom des deux gagnants. Alors notre première gagnante qui remporte un set 10 pièces est Génie 52190. Bravo Génie 52190, vous remportez ce set 10 pièces absolument incroyable. Et donc le deuxième gagnant, Ingrid ? Alors la seconde gagnante qui a vraiment la chance de remporter ce set 20 pièces est Dolly Lucie. Félicitations également, bravo. Dolly, Lucie, bravo, je pense qu'on peut les applaudir. Ouais, vraiment, moi j'ai rien gagné. Vous ne verrez plus, vous non plus, votre cuisine comme avant. Alors, vous allez être contactés rapidement par téléphone. Le numéro auquel, d'ailleurs, vous nous avez laissé lors de vos inscriptions. Eh bien, on arrive au terme de ce live, de ce moment, cette shopping party en cuisine absolument incroyable. Fred, oui. J'ai passé un moment délicieux avec toi ce soir. Et moi aussi, ma Corinne. Je voulais vraiment te remercier. J'espère que vous aussi. Et aussi tous vous remercier pour votre présence. Quand je vous disais que vous ne verriez plus jamais votre cuisine comme avant, on espère vous avoir convaincu. On vous dit à bientôt. Un grand merci. Moi, je vais aller déguster quand même les spécialités de The Chef Fred. Tu m'étonnes. À bientôt. Allez, merci à bientôt. Beaucoup. Merci Ingrid aussi de nous avoir épaulés pendant ce live. Merci aux techniciens. Ah oui. Allez, à bientôt. Ah, ciao. Ciao. Et nous, on passe à table. Hein. Désolé, allez. Mais voilà. Alors, tu viens, je Ingrid. Je sais que ce que tu veux, c'est des... disons, moi, je me ferais bien plaisir parce que ça sentait super bon.